On se trouve aussi chez Denon pour ce salon Munich 2022, le renouvellement d'un amplificateur, enfin un nouveau modèle qui vient succéder au 1600. C'est ça, le PMA 1700 qui est là, donc qui est son successeur, le PMA 1600 s'arrête. Lui vient le remplacer et principalement comme amélioration, tout a été amélioré, tous les composants ont été améliorés, mais on a surtout un étage phono qui a été énormément amélioré par rapport au PMA 1600 avec pas dire le retour du vinyle, mais il y a quand même énormément de vinyles qui sont lus. On a amélioré l'étage phono. Le DAC aussi a été changé, la partie DAC, puisqu'on est passé sur un Sabre ESS 9060. Donc c'est aussi une grosse amélioration. Et dessus, on va retrouver ce qu'on avait déjà sur le PMA 1600, donc tout ce qui est entrée analogique, entrée numérique avec de l'optique, du digital. On a aussi une entrée USB pour l'attaquer directement avec un PC et pouvoir lire du DSD, des fichiers très haute résolution. On a gardé toutes les qualités du PMA 1600. On l'a amélioré, on a amélioré le châssis aussi, on a amélioré l'affichage qui est un peu plus grand, etc. Donc voilà, c'était un gros succès le PMA 1600 déjà. Donc on va essayer de continuer avec le PMA 1700. Quelle puissance aussi ? Lui, on est sur 2x140 watts sous 4 ohms et 2x85 sous 8 ohms. Deux couleurs, je présume ? Exactement, silver et noir, on continue. Disponible bientôt à un prix ? Pareil, en juin, ça arrive, courant juin, et on va être à 1999 euros.